الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سأتحدث عن في هذا الفيديو les courbatures qui arrivent après l'utilisation des traitements. Les courbatures, les bleus, tout ce qui peut arriver des griffures après l'utilisation du traitement couranisé, bien sûr. Faut comprendre des choses quand on commence à suivre et faire des traitements. Il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Pourquoi? Parce que, un exemple, on était tranquille. Il y a plein de dire, ouais, j'étais tranquille, j'étais bien. Une fois, j'ai commencé à utiliser les huiles couranisées, j'ai commencé à utiliser des cures, des choses. Ça a commencé à arriver, j'ai commencé à sentir, j'ai commencé à voir des bleus, des courbatures, des griffures dans mon corps. Ça dû à quoi? Ça vient de quoi? Faut comprendre des choses qu'on a commencé à attaquer à quelque chose déjà qu'il était là. Déjà qu'il était là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il était là, il est là, il est installé, bien installé. Ça. Et nous, jour au lendemain, on vient, on commence à combattre cette chose-là. Alors, on va la combattre, cette chose-là, il ne va pas nous laisser tranquille. Il ne va pas nous laisser tranquille. Pourquoi? Parce que juste, il va vous montrer qu'il est là. Il va montrer aussi, pour arrêter, un exemple, quelqu'un il va dormir, un exemple, il va mettre l'huile, le matin, il va trouver des bleus, des griffures, des choses comme ça. Elle n'a pas envie de continuer. Ça veut dire, elle a envie que s'arrêter, dire, ouais, c'est bon, moi, j'en ai marre, j'arrête tout, j'arrête les traitements et tout ça. Mais non, il ne faut jamais arrêter. Parce que vous avez rentré de ce combat et vous allez la suivre jusqu'à la fin. Vous allez continuer à vous faire et vous allez suivre ce combat jusqu'à la fin avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que je vous conseille pour tous et tous qui suivent des traitements et tout ça, à continuer vos traitements, à ne pas arrêter, à aller vers l'avant et bihnillah, ça va vous aidera, inchallah ta'ala, ça va vous aidera à continuer, ça va vous aidera à finir, ça va vous aidera à se guérir aussi, parce que faut pas baisser les bras parce qu'on utilise les traitements, après c'est bon, dès c'est bon. En sachant que les traitements ils sont un grand impact sur la guérison. Il y a plein qui disent oui, mais moi, normal. Mais les traitements ils sont un grand impact sur la guérison. C'est pour cela qu'il faut utiliser, il faut continuer vos traitements, il faut aller vers l'avant, il faut pas baisser les bras. Et bi'idnillah, la guérison ça va venir. Bi'idnillah. Ça sera une petite vidéo, inshallah ta'ala, que je dis. Que j'ai fait, inchallah ta'ala, pour comprendre, pour pas être très long, inchallah ta'ala. N'oublie pas, inchallah ta'ala, d'abonner sur notre chaîne, sur YouTube, nous suivre, inchallah ta'ala, et nous laisser un commentaire. Barakallahu fikoum, jazakallahu khayra. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.